Coucou. Alors, je suis toujours habillée pareil, je fais une vidéo à la suite des deux autres que je vous avais faites, sauf que celle-là, vous ne l'aurez pas tout de suite, parce que du coup, donc, j'avais fait cette petite rosace cœur du défi que m'avait lancé Créa Mélane. Et après, je me suis dit, ah, bah, je vais l'envoyer à Rose Bonbon Coco, comme elle m'a proposé de participer à son concours Saint-Valentin. Et après, je me suis dit, mais je crois qu'à son concours Saint-Valentin, fallait pas de rouge et fallait pas de cœur. Je suis pas du tout dans le thème. C'est pas rouge, mais il y a un gros cœur. Donc, du coup, celui-là, je vais le garder pour moi ou je l'enverrai à une copinette. À une copinette, on verra, je vais voir ce que je vais en faire, mais je pense que je vais l'envoyer à quelqu'un. Et du coup, j'ai passé mon après-midi à créer, donc je suis contente. J'ai commencé, il était 2h, et donc là, il est quelle heure? Il est 18h15, et j'ai créé, enfin, j'ai fini, il devait être 18h par là. Dans ces eaux-là, parce que là j'avais fait une vidéo, mais bon, je sais pas ce que j'ai foutu à ma vidéo, enfin, j'ai été obligée de les effacer. Donc, je recommence. Donc, je vais vous montrer du coup ce que j'ai préparé pour Rose Bonbon Coco, pour son concours. Saint-Valentin, sans rouge ni cœur. Donc, je lui ai préparé une petite carte. J'ai mis des petites perles nacrées, comme ça. J'ai fait des superpositions de papier. J'ai mis un petit cadre que j'avais fait, je vous les avais montrés. Ça, c'est ceux-là que j'avais retaillé avec un scalpel que vous aviez peur que je me coupe les doigts. C'est vrai que c'était pas très malin. Et j'ai mis donc un petit sentiment, plus une petite fleur perlée et c'est pas du tulle. Enfin, on dirait du tulle, mais c'est du tulle très souple. Donc voilà, ça c'est la petite carte que je vais lui envoyer. Et pour les petites créas, donc j'ai fait une cocarde, une rosace, enfin bref, c'est pas, enfin bon, c'est pas une rosace puisque voilà. Donc j'ai fait de la superposition de papier. Donc j'ai pris ces trois dies là. Donc le petit, le moyen et le grand. Voilà. Donc ensuite, je suis venue, j'ai pris du papier chabi comme j'avais fait sur la rosace du défi que m'avait lancé Créa Mélane. Donc elle m'avait dit chabi, dentelle et tout ça. Donc là j'ai fait, je suis restée dans le chabi. Donc là j'ai mis pareil une petite fleur. J'ai mis des petits papillons pailletés, puffy, là, mes superpositions. Un petit lapin. Elle aime beaucoup les lapins Rose Bonbon Coco avec son petit collier de diamants, des petites perles nacrées. Voilà. Et de l'autre côté, j'y ai mis le petit sentiment. Pour rappeler Rose Bonbon Coco, je lui ai mis un petit bonbon, une petite sucette que j'ai collée pour rappeler que c'était Rose Bonbon Coco. J'y ai mis toujours la petite fleur pour que ça, voilà, que ça aille ensemble quand on le tourne. Un petit lapinou gris avec ses petits diamants. Des petites étoiles dorées puffy. Des petites perles aussi, pareil, nacrées, que je suis venue mettre. Voilà. Et ça donne ça. Voilà, comme ça, elle pourra le mettre dans son petit pot à crayon si elle en a envie ou pas. Ou voilà, elle en fera ce qu'elle voudra. Donc voilà. Ça, c'est pour la première chose. Et je suis venue faire un petit paperclip. Donc, tout ça, ben, paperclip, j'en avais déjà fait, mais ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. J'ai un pot rempli de trombones, de gros trombones. Je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, faire un paperclip. Du coup, pour son concours Saint-Valentin. Donc, j'ai mis des petites perles nacrées, enfin, des petites gouttes nacrées, un petit sentiment love. Toujours la petite fleur pour que ça rappelle la même chose, que ça reste dans le même thème. La superposition de papier. Voilà, comme ça. Et là, de l'autre côté, j'ai rien mis parce que je me suis dit, si elle veut mettre son paperclip quelque part, j'avais peur que ça gêne. Donc là, c'est juste le petit papier chabi avec une lanterne, des petits mots, des petites écritures en fond. Voilà, comme ça.
Donc voilà, donc je suis très contente. Ça me fait plaisir. J'ai été toute l'après-midi à créer en regardant des vidéos, en écoutant des vidéos sur mon ordinateur. J'ai éteint la télé. Du coup, Charlie s'est même ennuyé. Le chien de ma fille, il est venu deux fois me voir. Qu'est-ce que fait? Reste pas dans le salon. D'habitude, il reste dans le salon. Qu'est-ce que fait là? Donc, il est venu, on a fait câlin. Il est venu dans mes bras parce qu'il voulait faire câlin. Et puis, j'ai fait une petite pause pour mon café. J'ai fait une pause pour aller le sortir parce qu'il a envie d'aller aux toilettes. Donc voilà, donc je suis super contente. Je vous remercie tous vos messages de gentillesse que vous m'avez envoyés de ma vidéo d'hier. Ça m'a fait super plaisir. Vraiment, vous êtes adorables. C'est très très gentil. Et oui, mon moral il va remonter, c'est sûr. Bon, après, c'est normal qu'il y ait des petites baisses. C'est vrai que j'avais une activité intense et d'un seul coup, je me retrouve à plus rien faire. J'ai été tout un temps à tout vendre, à vendre tout mon matériel et tout ça. Et d'un seul coup, bah, ouais, j'ai plus rien à faire. Donc, du coup, c'est bizarre, quoi. Du coup, c'est bizarre et ouais, ça me perturbe un petit peu. Mais non, ça va aller. Puis après, quand j'aurai pris un peu ma pause, parce que mince, hein, après tout, j'ai droit, à, comme tout le monde, à me poser un peu. Quand je vais rechercher du travail, ben, après, quand j'aurai repris un rythme de travail dans le commerce, hein, je pense, parce que moi, j'ai pas de diplôme. Donc voilà, j'étais assistante maternelle, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de. Voilà, la seule fierté que j'ai, c'est d'avoir mon permis de conduire depuis 2 ans, d'avoir réussi à le passer à mon âge, quoi, et d'avoir eu mon permis du premier coup. Voilà, c'est ma petite fierté. Voilà, mais sinon, ouais, j'ai pas de diplôme. J'ai pas de diplôme de métier, donc j'irai voir dans le commerce. Il y a plein de commerces autour de chez moi. Je vais bien trouver en tant qu'hôtesse de caisse ou à mettre dans les rayons. Voilà, je trouverais bien un travail. De toute façon, il n'y a pas de saut métier, hein. Voilà. Moi, tout ce que je veux, c'est sortir de chez moi, voir du monde, voir des gens. Voilà, je veux plus être avec des enfants tout le temps enfermés comme ça. Non, je ne peux plus. De toute façon, voilà, j'ai définitivement arrêté parce que la PMI est prévenue. Je leur ai dit que j'arrêtais mon métier définitivement. Donc, j'ai pas du tout l'intention de repartir dans un agrément et d'aller à l'école et tout ça. Parce que maintenant, c'est plus comme il y a plus de 20 ans où on avait notre agrément assez facilement. Enfin, c'était pas comme il y a maintenant pour les jeunes qui arrivent. Il faut qu'elles aillent à l'école, pas un coup, enfin, faut qu'elles fassent tout un tas de choses. C'était totalement différent il y a 23 ans. Donc moi j'ai plus du tout l'intention d'être assistante maternelle, c'est fini. C'est fini tout ça. Donc voilà, voilà, bon, c'était une petite aparté. Voilà. Bon bah donc je suis contente. On va se revoir bientôt en vidéo. Ça se trouve, j'en ferai peut-être une tous les jours, je sais pas. Et voilà. Oups, mince. On va faire pause là. Voilà. Donc voilà, donc je suis hyper contente, vous m'avez reboosté de fou. En plus, j'ai tout changé dans ma scrap. Voilà, là maintenant, enfin, je voulais peut-être montrer tout à l'heure. Là, on voit mon salon où j'ai mis mon bureau. Du coup, j'ai ma porte. Voilà, comme ça, je vois mon salon, je vois ce qui s'y passe. Voilà, je suis. C'est pas que j'étais isolée, parce que bon, c'était juste changement de bureau. De place, mais bon, je vous ferai un petit scrap-room tour comme ça, vous verrez le changement des meubles. Pour certains, j'ai pas tout changé, j'en ai changé le bureau, le gros meuble, j'ai un peu poussé là-bas, le gros meuble blanc que j'ai mis là-bas, du coup, enfin là, le meuble blanc, je vais y arriver là, j'ai un peu poussé là, et puis là-bas, j'ai été mettre d'autres choses. Donc, je vous montrerai ça, je vous ferai un scrap-room tour comme ça, vous verrez. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Bon, bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je vais tout poster demain pour Rosemont Bococo qui a laissé son courrier. Et puis ensuite, quand elle aura reçu, je vous posterai la vidéo. Voilà. Je vous fais des gros, 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 gros bisous. Je vous remercie pour tout. Vous êtes super, des super abonnés. Je vous aime beaucoup. Même si c'est que du virtuel et qu'on se. C'est qu'en commentaire qu'on se parle, j'ai l'impression moi d'être avec vous tout le temps. Voilà, donc je vous remercie. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye, à bientôt.